Proclamation Chagos avec l'Angleterre. Shafik Ousmane, c'est un Lalit qui ne commençait bien longtemps dans les années 70. Lalit Chagos n'est pas une débutée hier, l'une débutée depuis très longtemps, l'une débutée depuis les années 70 au niveau politique avec l'AMMM notamment, avec aussi l'organisation fraternelle des frères Michel, et pas assez mentionné, mais il y a l'occasion de mentionner à quelques reprises. Il y a aussi le parti Lalit qui trouve le jour au début des années 80, qui adresse le problème de Chagos sous divers angles, bien dire, et consistently aussi au fil des années, pour ne pas dire au fil des décennies. Mais l'histoire étant l'histoire, nous visons à reconnaître qui c'est sous Anuro Jagnat qui le problème, qui la reconnaissance de la souveraineté de Maurice sur les Chagos, il prend une dimension internationale. Il y a quelques années de cela, quand le case, il passe par les Nations Unies, ensuite il a à la Cour internationale de justice, que Maurice, que la Cour internationale de justice il reconnaît la souveraineté de Maurice sur les Chagos, ensuite il revient vers les Nations Unies, que une résolution votée à très grande majorité, et pour qui dire au Royaume-Uni d'évacuer. Donc les Chagos et redonne la souveraineté à Maurice sous 6 mois, et 6 mois l'année passée depuis très très longtemps. Et il nous vient reconnaître que le Premier ministre actuel, donc qui succède à Anuro Jagnat, Pravin Jagnat, qui continue la même ligne, qui est dans la même politique, pour active sa démence de souveraineté de Maurice sur les Chagos.